Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, notre deuxième numéro, les lectures radar, avec notre ami Rulio, l'anarchiste masqué, qui va nous lire la suite du texte de la semaine dernière, qui était malheureusement deux parties. On espère que cette fois-ci, ce sera en une seule partie. Et donc, je vous retrouverai en fin d'émission et je passe l'esquivo à Rulio. Voilà. Un plan sur... Anarchiviste, pas vraiment, puisque ça veut dire sans archives, étymologiquement, mais bon, on peut admettre le jeu de mots. Donc je disais que, hommage à Van Morrison, en espérant qu'il ne nous fera pas une daube, comme il en avait l'habitude dernièrement, puisque trois titres sur le Covid sont annoncés dans son prochain album. On attend toujours à la ligne du départ, eh ben, Neil Young... le Tartuffe, Bob Dylan, etc. Bien. On reprend les mêmes et on recommence. La reconnaissance du docteur Sanders et du sénateur Nelson d'un programme de virus spécial des États-Unis atteste qu'un pourcentage de plus en plus important de politiciens et de professionnels médicaux connaissent désormais la vérité concernant les véritables origines du sida. Pour appliquer ce programme de virus spécial, les États-Unis ont dépensé 150 millions de dollars. Cet argent a servi à développer et à faire proliférer le sida, VIH, en application avec le programme infâme des mesures sur le contrôle des populations, adopté en cachette sous l'administration Nixon. Il faudrait que je trouve une autre stratégie pour tourner les pages. Quand on pense à l'histoire, entre guillemets, que les médias ont essayé de nous faire gober quant à l'origine de cette maladie du sida, un Africain, entre parenthèses, appelons-le Simplet, ouais, bon, pour l'exemple, mais enfin, c'est celui qui avait le plus la copte avec Blanche-Neige, hein, fin de parenthèse, aurait forniqué avec un singe malade qui lui aurait refilé le virus. Simplet se serait empressé de violer et de contaminer tout son village, ainsi que ceux des alentours, etc. Scandaleux. Fermez les guillemets. Simplet, ce sont ceux qui ont crédité cette théorie fumeuse. Reprenons maintenant la suite de l'article des auteurs de Michael Davidson et Michael C. Rupert. Donc, Michael, je vous rappelle, c'est l'archange numéro 1 hein, qui vient faire le ménage. Donc ça doit être son bras droit et son bras gauche. Sous-titre du paragraphe suivant. La variole, entre guillemets. Le 17 octobre, un article du USA Today rapporta que le gouvernement des États-Unis voulait commander 300 millions de doses de vaccins contre la variole. Apparemment, ce vœu a été exaucé. Le 28 novembre, un fabricant britannique de vaccins à Cambis, annonça qu'il avait reçu 428 millions de dollars pour fournir 155 millions de doses de vaccins contre la variole au département américain de la santé et des services humanitaires. DSSH, le sigle. C'était le deuxième contrat d'Acambis. La compagnie procède déjà à la production de 54 millions de doses. Le gouvernement américain possède 15,4 millions de doses mises en stock et le DSSH planifie de les diffuser dans des proportions de 5 pour 1. Les deux contrats et le programme de dilution amèneraient le total des stocks du DSSH à 286 millions de doses. La rigolade à côté de ce que nous prépare... Bill Gates. Pourquoi le gouvernement américain fait-il un stock de vaccins contre la variole, alors que cette maladie fut officiellement déclarée éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé en 1977, après que l'on eut traité le dernier cas connu à Merka, en Somalie? Sous-titre. Ampmus, c'est un sigle. Fascisme médical.
une réunion du Centre pour la loi et la santé publique, le CLSP, fut convenue le 5 octobre. Ce groupe est dirigé conjointement par l'École de droit de l'Université de Georgetown et de l'École de médecine de Johns Hopkins et fut fondé sous les auspices du Centre de contrôle des maladies, le CCM. Le CLSP fut formé un mois avant les élections présidentielles de 2000, le but de la réunion d'octobre 2002 était d'établir une législation pour réagir à la menace bioterroriste du moment. Après avoir travaillé seulement 18 jours, le 23 novembre, le CLSP émit un document de 40 pages appelé « Actes des pouvoirs et des modèles d'urgence santé », le APMUS. C'est une loi « modèle » entre guillemets que le Département de la Santé et des Services Humanitaires, DSSH, suggère voire décrété par les 50 États afin de contrôler les futures urgences en santé publique, comme le bioterrorisme. Une version révisée fut émise le 21 décembre, contenant une définition plus précise de l'urgence en santé publique, entre guillemets, qui caractérise le bioterrorisme et les agents biologiques, et comprend des clauses pour les États qui veulent utiliser cet acte en cas de désastre chimique, nucléaire ou bactériologique ou naturel, tout faux, et naturel. Selon l'Association des physiciens et chirurgiens américains, le APCA, après qu'on ait déclaré, entre guillemets, un état d'urgence en santé publique, fin des guillemets, et entre parenthèses, et sans avoir à consulter les autorités en santé publique, l'application de la loi, la législature ou la Cour, fin de parenthèse. C'est ça qu'on appelle la démocratie libérale. Commentaire de Mézig. Un gouverneur d'État qui utilise l'AMUS. L'APMUS, oui, effectivement, tu as raison, Four. Entre parenthèses. Ou quiconque qu'il ou elle décide de nommer en pouvoir, fin de parenthèse, peut, entre autres, de point, exiger que chaque individu soit vacciné, un refus constituant un délit entraînant la quarantaine. Exiger que chaque individu subisse un traitement médical spécifique, un refus constituant un délit entraînant la quarantaine. Saisir toute propriété incluant un immeuble, de la nourriture, des médicaments, de la gasoline ou des vêtements qu'un officier juge nécessaire pour contrôler l'urgence. Saisir et détruire toute propriété susceptible d'être dangereuse, il n'y aura ni compensation ni recours. Vous affectez... Vous et ou votre entreprise ou service de l'État, au service de l'État, point virgule, imposez le rationnement, le contrôle des prix, le contrôle des quotas et du transport, point virgule, suspendre n'importe quelle loi d'État, règle ou réglementation que l'on croira interférer à la maintenance de l'état d'urgence déclaré. Lorsque le gouvernement fédéral voulut que les États mettent en vigueur la limite de vitesse à 90 km, ça ne vous rappelle rien, commentaire de Mézig, il les contraignait en utilisant la menace de supprimer les agents fédéraux. La même tactique sera probablement employée avec la PMUS. Je ne sais pas qui est le prophète, c'est lequel des deux Michael, ou les deux, ça doit être des Janus. Alors que j'écris ceci, la loi a été adoptée au Kentucky selon l'APCA. Elle a été introduite en législation en Arizona, en Californie, au Delaware, en Illinois, au Massachusetts, au Minnesota, au Mississippi, au Michigan, au Nebraska, au Nevada, au New Jersey, au Nouveau-Mexique, dans l'État de New York, en Pennsylvanie et au Tennessee. On s'attend à ce qu'elle soit prochainement introduite au Colorado, au Connecticut, à Hawaï, au Maine et au Wisconsin. Depuis, il y a eu d'y avoir des autres prétendants. L'APMUS est présentement évaluée par les branches exécutives en Caroline du Nord, en Ohio, en Oklahoma,
en Caroline du Sud, au Texas, en Virginie, à Washington DC. Curieux qu'il ait mis le virgule entre Washington et DC. Alors, faut vraiment trouver un système pour tourner les pages, hein, parce que c'est une galère. Les recherches que les microbiologistes effectuaient auraient pu développer des méthodes de traitement des maladies, comme l'anthrax et la variole. Sans les vaccins et les antibiotiques conventionnels, les contrats pharmaceutiques passés pour soigner ces maladies auraient atteint un total de centaines de millions de dollars. Sinon, des milliards. Oui, c'est plus près de ça. Si les épidémies pouvaient être traitées de manière non conventionnelle, l'APMUS pourrait s'avérer non nécessaire. Considérant les actions du gouvernement annulant de nombreuses libertés civiles depuis septembre 2001, l'APMUS semble être une loi se cherchant une excuse pour être décrétée. Peut-être les microbiologistes barraient-ils la route à l'agenda de centaines de personnes ou centaines d'entreprises. De certaines personnes ou certaines entreprises. Merci le souffleur. Nous savons également que la recherche sur les séquences de l'ADN peut être employée pour développer les agents pathogènes qui ciblent les groupes spécifiques génétiquement reliés. Une compagnie, DynCorp, manipule le processus de données informatiques de nombreuses agences fédérales comprenant le CCM, le département de l'agriculture, certaines branches du département de la justice, de l'administration, de la nourriture et produits pharmaceutiques, ANPP, et l'Institut national de la santé, INS. Le 12 décembre, DynCorp annonça que sa filiale DynPort Vaccine s'était vue accorder pour 322 millions de contrats pour développer, de dollars bien sûr, pour développer, produire, tester et emmagasiner des vaccins sous licence de l'ANPP, vaccins destinés à être utilisés par le département de la Défense. Il serait incroyablement facile pour DynCorp de cacher de l'information concernant la structure exacte, la sécurité, l'efficacité et le dessin de produits pharmaceutiques et des vaccins qui gouvernent que le gouvernement américain a commandé. Petit break pour me hydrater. Les raisons de soupçonner DynCorp de comportement criminel ne sont pas difficiles à trouver. La reporter d'enquête Kelly O'Meara du magazine Inside, dans un article datant du 4 février, divulgua une importante enquête militaire américaine dévoilant de quelle manière les employés de DynCorp en Bosnie étaient impliqués dans un réseau largement étendu d'esclaves sexuels, marchandant des enfants, pouvant être très jeunes. Entre parenthèses, certains sont âgés de 8 ans, fin de parenthèse. Et enregistrant sur vidéo des relations sexuelles forcées. O'Meara passa en revue des documents du gouvernement et interviewa des enquêteurs de l'armée ayant étudié les opérations contractuelles de DynCorp, qui offrait des services d'hélicoptères et des fournitures d'entrepôts aux militaires américains. Des vidéos et autres preuves de ces crimes sont en possession de l'armée, et dans un récit du 23 février, le vétéran journaliste Al Giordano de www.narcosnews.com rapporta qu'une poursuite en procès avait été enregistrée à Washington, D.C. par plus de 10 000 fermiers équatoriens ainsi qu'une union syndicale contre DynCorp pour son épandage effréné d'herbicides, lequel ont détruit les récoltes, affaibli l'écosystème et provoqué plus de 10 000 cas documentés de maladies. Le président actuel de DynCorp, Paul Lombardi, a réagi à la poursuite en expédiant des lettres intimidantes dans l'inutile tentative de forcer les plaignants à se retirer. DynCorp a aussi été directement impliqué dans le développement et l'utilisation du logiciel Promise par son créateur.
Bill Hamilton de Linslow. L'ancien président de DynCorp, actuel membre du comité de direction et principal investisseur de la société Capricorn, et Herbert, entre guillemets, Pug Winokur. Ce dernier était, jusqu'à tout récemment, président du comité de finances de Enron. Il clama son ignorance face aux frauduleuses activités financières du comité de direction d'Enron, même s'il était chargé de leur surveillance. Classique. Pug, c'est un pseudo alors. Okay. Conclusion de Giorgio Bombassei. Guillemets. De par le monde, de nombreux scientifiques sont morts mystérieusement en moins d'un an. Tous travaillaient sur les séquences d'ADN afin de... Juste pour préciser, c'est 2000-2001. Oui. C'est cette période-là. Oui, 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 c'est vrai. Je l'avais dit dans le premier, mais c'est bien de... Si les gens reprennent... C'est exact, exact, oui. Pour resituer le contexte. Oui, bien sûr. Et puis à propos de FBI... Feu le martyr Rupert, hein, il a été assassiné, il était quand même capitaine de la brigade des stupes du FBI à Los Angeles. Oui, c'est important. Paix à sa mémoire. Tu as dit beaucoup de choses qu'on pourrait croire paix à sa mémoire. Qui sont liées à la crise du Covid actuelle, alors que ça a très exactement une vingtaine d'années, cette histoire-là. Voilà. Donc, deux décennies et ça colle à l'actualité. Voilà. Donc, sans arrêt, remets ton ouvrage sur le métier jusqu'à atteindre la pandémie mondiale. Donc allons-y pour la conclusion. De par le monde, de nombreux scientifiques sont morts mystérieusement en moins d'un an. Tous travaillaient sur les séquences d'ADN afin de trouver un traitement génétique à plusieurs maladies. Tous mettaient en péril le business des antibiotiques et des vaccins. S'ils réussissaient, c'était bingo pour eux et faillite pour les autres. Leur recherche était bien trop précieuse pour que le secteur pharmaceutique... et les laisse en profiter. D'un autre côté, celle-ci n'avait pas de prix non plus pour les militaires et les agences de renseignement intéressées à développer des armes génétiques en inversant simplement le processus suivi par les défunts microbiologistes. Vladimir Pasenchnik, l'ancien chef du projet de guerre biologique de l'URSS, l'un de ceux-ci... Et l'un de ceux-ci. Ken Alibek, son second de l'époque soviétique, est maintenant dirigeant de Hadron Corp, société américaine spécialisée en solutions techniques et technologiques pour le service de renseignement. Cette société était également impliquée dans le vol d'un logiciel informatique hyper puissant qui s'appelle PROMIS, et qui permet entre autres d'espionner tranquillement n'importe quel système informatique. Ken Alibek a fréquenté ces dernières années le créateur de la souche d'anthrax, utilisée lors des attaques, entre guillemets, terroristes, qui ont suivi le 11 septembre. Cet anthrax a été développé dans un laboratoire militaire américain. La société qui a le monopole aux États-Unis de la production de vaccins contre l'anthrax s'appelle BioCorp et est propriété entre autres de Carlyle Group. Celui-ci compte parmi ses actionnaires de référence les familles Bush et Ben Laden. Entre-temps, de nombreux pays, dont les nôtres, entre parenthèses, intensifient leurs recherches en matière d'armement génétique, bactériologique, chimique et nucléaire. On se permet d'exhumer des cadavres pour récupérer des échantillons de virus disparus depuis belle lurette de la surface du globe. Commentaire personnel, la grippe espagnole. Alors là, je vous dis pas, il faut changer de planète. On se permet de chercher le gène du subsaharien ou de l'arabe, pour créer des armes permettant la sélection raciale. Pire, nombreux sont ceux qui osent affirmer maintenant que le sida, ainsi que l'Ebola et le pyrion, entre parenthèses, a été inventé dans un laboratoire militaire américain, et ce, pour assouvir une effroyable envie de contrôler la croissance de la population mondiale.
De nouvelles lois antiterroristes sont en train de passer en Europe et aux États-Unis. Elles mettent en péril les libertés individuelles. Au cas où une attaque CBN, ça veut dire chimique, bactériologique et nucléaire, se produirait, nous nous retrouverions en moins de deux dans une situation pire qu'en 1940. Les terroristes existent, mais ils ne sont pas ceux que l'on veut bien nous faire croire. Les véritables terroristes, en effet, sont avant tout les dirigeants politiques, de droite ou de gauche, militaires et industriels européens et américains, du type génocidaire, le pire. Ils se permettent de créer et de manipuler des virus et des armes de destruction massive au nom de la démocratie. Destruction de masse, pardon. Kif, kif. Se moquant éperdument des millions de morts qu'ils ont sur la conscience. Est-ce qu'ils ont une conscience ? Une de bonne nuit. N'oublions pas aussi l'utilisation d'uranium-236 dans les armes lancées sur l'Irak et l'ex-Yougoslavie au nom des droits de l'homme. Ou les soi-disant campagnes de vaccination de masse de militaires utilisés comme cobayes pour tester on ne sait quelles horreurs. Ou l'appui que nos gouvernements ont donné au programme de stérilisation de masse des Indiens du Pérou, mené ces 10 dernières années par l'ancien président Fujimori. Ou les campagnes de stérilisation de masse des handicapés menées par la Suède jusqu'aux années 60. Ou encore les armes de contrôle mental des masses utilisées récemment par les services secrets finlandais. Sans oublier les armes sismiques et climatiques mises au point par l'armée américaine. Fermez la parenthèse. Ouf. Derrière les belles paroles de nos dirigeants, se complaisant à déverser à notre intention pour nous convaincre de leur bonne foi et de leur morale, se cache une réalité bien différente et extrêmement inquiétante. En vérité, le conflit d'intérêts règne en maître dans notre société et cela peut mener qu'à la dictature. Et cela ne peut quand même. Ce ne sont pas les Arabes dont il faut avoir peur, mais bien ces fous furieux. Arabes n'est plus politiquement correct. Ce ne sont pas les islamistes dont il faut avoir peur, mais bel et bien ces fous furieux qui prêchent le nouvel ordre mondial et qui sont en train de nous mener tout droit vers l'autodestruction. Si les attaques à l'anthrax qui ont suivi le 11 septembre 2001 ont été menées volontairement par l'armée et l'administration américaine pour imposer de nouvelles lois liberticides et s'approprier toutes les recherches en matière génétique, rien ne nous empêche de mettre en doute l'authenticité de la responsabilité d'Oussama Ben Laden dans l'attaque du 9-11. Celui-ci, tout comme Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Adolf Hitler, Auguste Pinochet, est à l'origine bénéficier de l'appui américain et de l'oligarchie internationale pour accéder au entre guillemets pouvoir. Si ceux qui créent ces armes sont aussi ceux qui créent les vaccins permettant de les combattre, alors il est clair qu'il faut nous attendre au pire dans les prochains mois, années maintenant, au vu aussi des continuelles mises en garde des gouvernements occidentaux. Entre parenthèses, au travers des médias corrompus, contre le risque d'une probable attaque CBN, entre parenthèses, de la part de bras de personnes qu'eux-mêmes ont armées. Si une nouvelle attaque devait se produire pour forcer les peuples occidentaux à s'unir autour du projet du nouvel ordre mondial, alors nous pourrons être sûrs que celui-ci sera imposé par la force et non par le consensus à la planète entière. Annexe 1. Le 5 juin 2005, selon le quotidien irakien Al-Zaman, 18 pilotes de l'ancienne armée irakienne ont été assassinés au cours de ces 24 derniers mois suivant un plan bien programmé. Récemment, le quotidien Al-Manar, citant des sources bien informées, révélait que les militaires américains avaient exécuté 23 scientifiques irakiens, lesquels refusaient de collaborer avec l'administration Bush.
Par ailleurs, les États-Unis ont transféré 7 scientifiques irakiens dans un endroit secret. Toujours selon le même journal, des assassinats de pilotes irakiens ont été commis par des groupes terroristes supervisés par des officiels américains, épaulés par les services de renseignement israéliens qui emploient des éléments de l'ancien régime irakien. Précisons encore que les sources irakiennes avaient auparavant fait état de l'assassinat de 250 scientifiques et experts irakiens, parmi lesquels se trouvaient également des médecins spécialisés. Toujours selon ces sources, depuis l'occupation de l'Irak, 15 000 experts irakiens spécialisés dans le nucléaire et dans l'industrie civile ont perdu leur emploi. Annexe 2. Selon la préparation Seule la préparation d'une pandémie mondiale par le comité X explique l'assassinat de scientifiques ou plus précisément de biologistes travaillant sur les virus. Et le vecteur choisi pour ce faire devait très probablement être l'attentat biologique. Mais avant cela, l'ordre est donné au... Attends, parce que là c'est en italique, et donc l'attentat est donné aux marionnettes gouvernementales de pousser les programmes de vaccination dans un but bien déterminé, celui de diminuer considérablement les défenses immunitaires des populations. Ainsi, tomberont-elles comme des mouches une fois le nouveau virus probablement une mutation de plusieurs virus lâchés dans la nature. Si l'objectif principal est de marquer les populations afin d'imposer par la suite le nouvel ordre mondial, on sait que les hauts initiés ont clairement exprimé leur désir de voir la population du globe réduite de 94%. À la louche, quoi. À bon entendeur. Il ne faut pas s'attendre à ce que les vaccins miraculeux soient connus avant qu'un certain nombre de dégâts soient réalisés. Pénible, les Italiens. Priorité numéro 1. Détruire les défenses immunitaires des populations avant de vacciner. L'objectif poursuivi est de générer une psychose collective à partir de lambeaux de vérité péniblement tenus ensemble par d'habiles mensonges. Quel est l'intérêt d'une telle stratégie? C'est très simple. L'angoisse, la peur, sidérant notre système immunitaire. Habile mouche. Il faut tout faire afin de rendre les populations extrêmement fragiles du point de vue des défenses immunitaires. Extrait de votre santé hors série de 2005. Ouvrez les guillemets. La médecine officielle, qui considère que la santé est l'absence de maladie, a conçu ce qu'on a appelé, entre guillemets, la médecine préventive, concept qui a permis toutes les dérives. La vedette de cette médecine est la vaccination, qui induit une course sans fin. Ce processus absurde et destructeur ne fait qu'amplifier les problèmes et détériorer la santé. Il ne s'agit pas de prévention comme on le prétend, car la véritable prévention consiste avant tout à ne pas nuire, donc à ne rien introduire dans le corps qui ne lui soit nécessaire et à ne pas le traumatiser de quelque manière que ce soit. Comment peut-on penser que les vaccins qui introduisent dans l'organisme des bactéries, virus, adjuvants et conservateurs dangereux, tous étrangers au corps, sans compter des gènes recombinés par les vaccins produits par le génie génétique, puissent constituer une approche correcte de la santé? Bon, je mettrai un code ici, si on a le temps à la fin, sur cette analyse. La meilleure prévention contre les maladies est de ne pas nuire à son corps, de mener une vie saine, de manger des produits naturels, d'éviter les pollutions autant physiques que psychiques. Dans ces conditions optimales de fonctionnement,
L'organisme se défend contre toutes les maladies, surtout si l'on évite d'agresser sans cesse son système immunitaire. Quand on observe dans sa globalité l'état de santé des populations, on constate que les pays qui vaccinent le moins sont ceux dont la population est dans le meilleur état de santé possible. Comme c'est le cas de la Suède, par exemple, les pays qui ont vacciné en masse toute la population sont ceux qui connaissent le taux de maladie le plus élevé, tels les pays de l'Est et à présent les États-Unis. Pourquoi y a-t-il autant de cancers chez les enfants ? Pourquoi une maladie de dégénérescence se manifeste-t-elle de manière si précoce ? L'asthme augmente de façon inquiétante chez l'enfant, devenant le problème numéro un en pédiatrie. Pourquoi tant d'enfants sont-ils asthmatiques ? Il y a 100 ans, voire 50 ans, ces phénomènes n'existaient pas. Mais à cette époque, les vaccinations n'étaient pas encore généralisées. Quant à la sclérose en plaques, elle était quasiment inconnue chez les enfants, avant l'introduction du vaccin contre l'hépatite B. Nous avons échangé de bénignes maladies d'enfance contre des pathologies redoutables. Avec tous les vaccins que nos enfants ont reçus, comment s'exprimeront les maladies au XXIe siècle ? Personne n'est en mesure de le dire, mais le chemin tracé par les vaccinations risque de nous conduire vers de très graves pathologies qui s'accentueront de génération en génération. Nous sommes en état d'overdose. Comment avons-nous pu en arriver là ? Plus loin, c'est l'organisme qui doit lui-même construire sa protection à tout instant, et les programmes de vaccination mettent en danger ce processus long et lent qui conduit à l'installation d'une santé durable. En outre, cette confiance dans les vaccins procure un sentiment factice et illusoire de sécurité. Dans la logique de la médecine actuelle, la vaccination nous conduit vers un système de médicalisation à outrance, de surveillance constante des virus. Break. Entraînant des pressions intolérables sur les populations. C'est ce qu'on appelle la médecine du troupeau, alors que chaque être humain est unique, différent des autres. Médecine du troupeau, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent ça. Ils pourraient mettre quand même, entre guillemets, entre parenthèses, leur source. Tu avais entendu parler de ça, toi, médecine du troupeau ? Oui. Entre eux, peut-être, dans les coulisses, c'est ce qu'ils disent. Bon. Les campagnes publicitaires en faveur des vaccins représentent un endoctrinement qui ressemble à un lavage de cerveau. Tout d'abord, on pratique la désinformation, avec trucage des chiffres statistiques, amalgame savant de l'effet protecteur du vaccin avec d'autres affections, puis une mise en garde de possibilités de contagion totalement fantaisistes. Ensuite, on sème la terreur en faisant croire à l'ensemble de la population qu'une épidémie la menace, que telle maladie peut être effroyable, mettant au même rang de gravité une vulgaire rougeole ou une poliomyélite, vulgaire la poliomyélite ou... Non, la poliomyélite paralysante. Ouais, ben c'est pas vulgaire. De toute manière, il n'y a pas de maladie. Non, mais. Ah, c'est Sylvie Simon, ouais, mais Sylvie Simon, elle est un peu. Elle a dû filmer les acariens avec la moquette, elle a oublié les anglais. Paralysante, paix à son âme, parce que je crois qu'elle a disparu aussi, comme l'autre Jeanne d'Arc. Je ne me rappelle plus de son nom. On procède alors à la banalisation de l'acte vaccinal et enfin on répand l'affirmation gratuite de l'efficacité totale du vaccin. Fin des guillemets. C'est vrac. Celui-là, ils l'ont buté il n'y a pas longtemps. Total respect. Que penser de la vaccination globalement ? Pourquoi les autorités ont-elles l'ordre de vacciner leur population avant la pandémie ? Autre extrait de Votre Santé, 2005. Décidément, elle l'aime bien, ce magazine. Qu'ont apporté les vaccinations au monde moderne ?
Globalement et en toute objectivité, le bilan est vraiment désastreux. Les bienfaits des vaccinations, les voici. Ça doit être son magazine, peut-être. Votre santé, je ne sais pas. 1. Les désordres immunitaires. Les vaccinations empêchent le système immunitaire de fonctionner normalement. Celui-ci, surchargé, finit par faire n'importe quoi, ne comprenant plus les mensonges, les messages qu'il reçoit. Il peut notamment fonctionner à l'envers et générer des maladies auto-immunes, maladies qui étaient extrêmement rares avant l'été, avant l'ère de la vaccination. C'est ton truc que tu me gênes quand je suis à l'extrême là-bas. Toi, ta caméra. Leur augmentation aujourd'hui est considérable. On substitue à notre système de défense des artifices et une pseudo-protection moins efficace et moins durable. Entre parenthèses, il faut faire des rappels. Oui, il y a beaucoup de vaccins où on est obligé, notamment le tétanos, je crois que c'est tous les 10 ans, il faut faire un rappel parce que les vaccinations, que ce soit avec des virus activés ou désactivés, ça consiste à injecter souvent les codes de protéines, la protection du virus, et le corps va produire des anticorps pour détruire cette protection, sachant que l'ARN ou l'ADN qui est contenu dans cette protection est extrêmement vulnérable, c'est-à-dire qu'il est détruit très facilement. Mais par contre, aujourd'hui, pour parler du Covid, les vaccins qui sont envisagés, si tu veux qu'on finisse une fois, non, impossible. Mais c'est des vaccins qui ne sont pas des vaccins, c'est-à-dire que ce sont des thérapies géniques, parce qu'en fin de compte, on utilise un virus pour injecter de l'ARN messager, et donc on n'est plus du tout dans un phénomène de vaccination. Voilà. Donc je te repasse la parole. Ça va pas être jouable de finir une seule. Non, mais on fera une troisième. Ouais. Tu veux continuer? Tu veux continuer? 21h11, donc on a encore 20 minutes. Quoi. Tu veux continuer? Oui. Bah vas-y. Non, t'as toujours, vas-y, voilà. On va continuer avec toi. Oui. Bah, j'ai arrêté où? Eh bien, extrêmement rare avant la vaccination. Voilà. Donc leur augmentation aujourd'hui, c'est le haut de la page 49. Leur augmentation aujourd'hui est considérable. On substitue à notre système de défense des artifices et une pseudo-protection moins efficace et non durable. Il faut faire des rappels. Ok, on raccroche les wagons. On oblige l'enfant à faire plusieurs maladies à la fois, entre parenthèses, avec les vaccins multiples, alors que naturellement, le corps ne fait jamais plusieurs maladies en même temps. Je ne suis pas si sûr. Les maladies virales et les maladies chroniques. Paragraphe 2. Les vaccinations nous aident à changer de maladie. Les vaccins à virus, entre parenthèses, variole, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite A et B, fièvre jaune, rage, varicelle, polio, grippe, fin de parenthèse, nous ont entraînés vers l'émergence de maladies virales aujourd'hui innombrables, alors qu'auparavant, les maladies bactériennes prédominaient. Celles-ci étaient plus spectaculaires, parenthèse, forte fièvre, éruption, etc. Mais on en sortait vainqueur la plupart du temps, à moins d'une vulnérabilité particulière. Les maladies virales sont très difficiles à soigner et prennent des formes sournoises, difficiles à diagnostiquer. Elles accentuent la dégradation du terrain. Le plus grave, c'est l'installation dans les populations de maladies chroniques dégénératives de pronostics graves, parenthèse, sida, cancer, etc. À cause du pouvoir transformant des virus vaccinaux et de l'effondrement du système immunitaire. Paragraphe 3. Les maladies génétiques. Les virus vaccinaux, en pénétrant dans le génome des cellules, peuvent engendrer des altérations chromosomiques ou d'autres effets plus subtils qui peuvent être hérités par les générations suivantes. Cadeau. Selon la loi de l'entropie, plus on agit dans l'ordre, plus on crée le désordre. Ainsi, les petits-enfants sont susceptibles d'hériter de leurs grands-parents une maladie dite, entre
entre guillemets, génétique, appelé ainsi parce qu'on ne sait pas expliquer son origine. Aujourd'hui, une soixantaine de maladies orphelines sont répertoriées en liste et la liste s'allongera. Les atteintes des vaccinations sont bien loin de se limiter à celles qui se produisent dans les heures et les jours qui suivent l'inoculation. Il faut se préoccuper des effets sur le long terme qui sont, hélas, comme on le voit, souvent irréversibles. Paragraphe 4. Les dégradations de fonction du cerveau. La plupart des virus ont une affinité pour le système nerveux et vont s'y loger directement à l'abri des anticorps. Et c'est là qu'ils font le plus de dégâts. Parenthèse, encéphalite, méningite, atteinte de la myéline, tumeur, etc. Les bactéries et les toxines sont injectées brutalement dans l'organisme. Qui sont injectées brutalement dans l'organisme ne sont pas en reste. Elles suivent le même tracé. La vaccination crée un état de choc entraînant irrémédiablement des lésions et des altérations cognitives ainsi que des troubles caractériels dont la société entière paie les conséquences. Combien d'enfants handicapés après vaccination se retrouvent en institution ? Combien de familles sont détruites par le handicap d'un ou plusieurs enfants ? Une chape de plomb recouvre ce problème et c'est la loi du silence qui règne. Chapitre 4. La facilitation du franchissement de la barrière des espèces. C'est pas facile, celle-là. Les vaccins actuels, en particulier les vaccins recombinants, qui sont des chimères, agissant comme des OGM et représentant un danger nouveau pour l'humanité, en mariant de l'ADN animal et de l'ADN humain, ou de l'ADN végétal, puis en l'introduisant dans le corps, nous brisons les protections naturelles qui ont toujours empêché que les espèces ne se croisent et ne produisent des monstres. La nature ne le tolère pas. Depuis le premier vaccin antivariolique, ces cellules animales ont été introduites dans les corps humains, créant une passerelle entre l'homme et l'animal. Certes, des micro-organismes cohabitent chez plusieurs espèces et peuvent parfois provoquer des zoonoses, entre parenthèses, maladies transmises de l'animal à l'homme. Mais avec les vaccinations, ce n'est pas le même processus. L'homme s'animalise et brouille son identité. Problème suffisamment inquiétant pour que l'Académie des sciences et l'Académie de médecine se soient penchées sur le lien entre maladie humaine et maladie animale. Et l'Institut de France en juin 2004. À l'Institut. Il faudrait voir le résultat de ce colloque, ça serait intéressant, hein, Roger. Oui. 6. La fausse sécurité. En laissant croire que la vaccination égale protection, guillemets, que se vacciner, c'est éviter la maladie, parenthèse, publicité pour le vaccin anti-hépatite B, les gens pensent qu'avec cette combinaison de protection, ils peuvent tout faire. La vaccination leur enlève la notion de respectabilité. De responsabilité. De responsabilité. J'ai un cheveu qui est un poil. Ah, il s'est coincé, non ? Responsabilité. Et les pousse vers des conduites à risque. On aboutit exactement à l'inverse de ce que devrait être une vraie prévention. Sauf que c'est le but recherché. Commentaire de Mézi. Résultat. Les maladies sexuellement transmissibles sont en expansion avec réapparition de la syphilis. Ce n'est qu'un exemple. Plus loin, on aboutit exactement à l'inverse de ce que devrait être une vraie science. Résultat, on continue à nier les pathologies consécutives aux vaccins contre l'hépatite B, pourtant patente, parce que l'on est dans la croyance. Et ce n'est qu'un exemple. N'est-ce pas l'OMS elle-même qui a parlé d'une
guillemets, confiance exagérée dans le BCG, parenthèse, le DOTS, édition Alice. Ça doit être une référence... Oui, c'est une référence bibliographique. Bibliographique de Sylvie Simon, on s'y penchera. 7. La dépendance. La vaccinologie est la plus extraordinaire machine à conditionner les individus. Nous sommes devenus complètement dépendants d'un système basé sur l'acceptation des drogues. Notre corps a été obligé de recevoir des injections répétées de produits non naturels et il est devenu permissif à tout. Des cellules animales, des métaux lourds, des toxiques avérés, de l'ADN trafiqué, etc. Tout ce qui se trouve dans un vaccin ouvre la porte à l'acceptation des autres, en guillemets « cocktail nocif », le chemin est tracé vers l'addiction aux drogues douces ou dures, à la malbouffe, aux OGM, à l'air vicié, à l'abrutissement télévisuel, au dopage sportif, et j'en passe. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien ? Réfléchissez, et vous verrez que les vaccinations façonnent un être humain malléable, soumis et vulnérable, et par conséquent, en demande constante d'aide, même pour les petits bobos ou chagrins, donc prêt à tout. Mais même si d'autres éléments sont en jeu dans ce processus, les vaccinations sont le facteur le plus sournoisement destructeur. 8, la désinformation. 8, la désinformation. Ben oui, tu pourrais faire les sous-titres. Ça égaye, ça échange. Oui, ça compte, exactement. On pourrait envisager, côté lecture, tu sais, comme dans la danse du diable. La danse du diable, on pourrait le faire à deux. À deux et à plusieurs, d'ailleurs, genre lecture théâtrale, comme on faisait longtemps, les pièces radiophoniques. Depuis Pasteur, le mensonge a fait son entrée officielle en science. Il n'y a pas de domaine où le mensonge soit plus flagrant qu'en vaccinologie. Le jour où Pasteur a approuvé l'imposture de son complice Bouardel, référence courriel d'Alice, numéro 40, page 34. Nous avons été embarqués dans un système de supercherie, de faux-semblants, de tromperies, de fraudes, d'improbité, sans nous en rendre compte. Pas tous, il y a eu des lanceurs d'alerte, Sylvie, avant toi. Et cela dure depuis plus d'un siècle. Tous les acteurs du scénario vaccinal sont englués dans la désinformation dont ils sont eux-mêmes victimes, tout autant que le public. Qu'ils maintiennent volontairement dans l'ignorance, nier les accidents vaccinaux, ne publier que ce qui est favorable aux vaccinations, biaiser les résultats des études, être juge et partie dans les questions litigieuses, falsifier les rapports d'expertise, faire du chantage pour que règne la loi du silence, tel est le tableau que l'on peut dresser en ce début de siècle lorsqu'on évoque le domaine de la vaccination. Avouez que cela fait tache sur la haute idée que l'on se faisait de la science. Tarte à la crème. Vivre sans vaccination ? Vous avez maintenant, je suppose, une réponse personnelle à cette question. Tout est dans notre corps et dans notre cerveau. Face à l'angoisse permanente dans laquelle nous plonge la médecine d'aujourd'hui, et ayez un sursaut salutaire, retrouvez votre conscience et faites ce usage de votre bon sens. Ce n'est pas difficile. Ne vous nourrissez pas de catastrophisme. Ceux qui manient cette arme de pouvoir s'amusent de vous voir trembler. Et voilà, et donc... C'est très bien qu'on ne finisse pas d'un seul coup. On va se retrouver donc dans 15 jours pour la suite de cette intéressante lecture, même s'il y a
je dirais, à boire et à manger. C'est-à-dire que j'ai bien aimé justement tes petits... Et à injecter. Et à injecter, exactement. Et donc, la semaine prochaine, on change de mois, 1er octobre. Donc, très important parce que pour nous, ça va être le 260e jeudi pour Ali et ses amis. Malheureusement, on s'en rappelle tous, le 11 juillet 2017, le pauvre Amjad Al-Moyabid, lui, a été décapité et son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Nous n'oublierons pas non plus démembré Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018, donc on voit décapité, démembré. Et nous avons, bien sûr, sur notre affiche de l'émission du 1er octobre, qui s'intitulera « Front amical France-Arabie Saoudite », pour rappeler qu'il y a tout de même un groupe d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale, là où le député Ruffin exerce son métier de député. Voilà, et ce sera sous-titré « Criminel néo-féodalisme militaro-industriel ». Donc, ça, c'est la semaine prochaine, notre émission Radar, avant de retrouver dans 15 jours Julio pour la suite de cette très intéressante lecture. Et comme on aura le temps, on pourra faire des codicides et même demander à des réactions. Peut-être tu pourrais envisager pour avoir des retours de ce qu'ils en pensent de cette formule. Exactement. Marc, il verra les messages sur son portable. Et alors, le dimanche 11 octobre, là, c'est une projection. Et donc, on a notre ami Fabrice David. Donc, il y aura ma chronique orange de V-République. Donc, c'est un réalisateur qui a désiré garder l'anonymat. Effectivement, il aurait bien aimé que son compte YouTube et surtout son compte Dailymotion ne soit pas complètement supprimé. Et donc, c'est un bon point pour lui. Projection publique en appartement privé, d'après une idée de Pierre Merechkowski, dans le cadre du Festival des cinémas différents expérimentaux de Paris, organisé par le collectif Jeune Cinéma. Et donc là, le titre de ces projections, ce sera « Ne pas faire avec ». Et donc, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez retrouver ça aussi sur la page Radio Anarchiste Direct à République. Et appelez, parce que comme c'est dans un lieu privé, le nombre de places sera limité. Et donc, il faut à tout prix réserver. Bien sûr, c'est la gratuité. Est-ce qu'il envisage de le mettre en ligne sur des sites alternatifs, alors, YouTube et tout ça, hein? Parce que maintenant, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui sont censurés. Mais il y a des plateformes qui s'ouvrent en voiture, voilà. Donc, je pense que vu sa mentalité, il le mettra en ligne. Alors, la vidéoprojection et la technique sera assurée par l'équipe Radar, Marc Gadi et moi. Et donc, on aura peut-être une diffusion en direct de la projection, parce que Marc sera là. Et donc, on diffusera très certainement sur la page Radar, vu que Radar est partenaire avec le groupe anarchiste juif expérimental, ainsi que le collectif Jeune Cinéma, de ces projections publiques en lieu privé. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Et puis, comme au 1er octobre, on va certainement essayer de nous reconfiner, parce qu'il semblerait qu'il y ait plus de 8 Français sur 10, ou tout du moins 8 résidents en France sur 10, qui ne soient pas réellement d'accord avec l'actuelle politique des criminels ministres millionnaires qui sont à Matignon et puis le petit cron à l'Élysée. Et donc, pour eux, le seul moyen de continuer et de tenir jusqu'en 2022, c'est de nous la faire fermer par tous les moyens possibles. Donc, on va continuer cette instrumentalisation politique d'une crise sanitaire, parce que si on devait parler sanitaire, il faudrait parler de l'amiante dans les établissements scolaires, des enfants à 5 km autour des centrales nucléaires qui ont deux fois plus, entre guillemets, de chances d'attraper une leucémie, et de vrais problèmes sanitaires. Voilà. Et donc, soyons bien attentifs, on va porter le masque, parce que ceci est un masque, pas un baillon, et donc nous continuons à nous opposer aux gens qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de pandémie. Il y a une pandémie Covid-19, mais par contre, les décisions politiques prises par rapport à cette pandémie, elles sont des décisions politiques, elles ne sont pas des décisions sanitaires. Donc, dans les transports, partout, portez votre masque, parce que votre masque n'est pas là pour vous protéger, il est là pour protéger les autres. Protéger les autres. Et Radar est l'esprit réel d'un anarchiste, c'est un esprit de responsabilité. Et donc, comme nous sommes de véritables anarchistes, nous disons « portez le masque », mais ce masque n'est pas un baillon. Et je repasse à Julio qui veut reprendre un petit peu la parole pour la fin.
Je suggère à ce collectif que tu as dit anarchiste juif de l'appeler le collectif Bernard Lazare. C'est un hommage à rendre, non? Moi, je sais que le groupe anarchiste juif expérimental, c'est une création Pierre Merchkovski. Et donc, juif, ça fait pédangue, Bernard Lazare. Ce qui est intéressant, c'est anarchiste juif expérimental. C'est-à-dire oui, que c'est. Sans groupe anarchiste, c'est-à-dire que moi, je sais que c'était aussi un ami de mon ami Georges Krajowski, feu Georges Krajowski, qui avait lancé un vrai principe qui est le principe de la non-appartenance. Et effectivement, il était contre les groupes et contre tous les groupes. Il y a d'ailleurs une chanson qui est formidable de Guy Béard sur les groupes, qu'il faudra d'ailleurs, je ramène le texte de cette chanson de Guy Béard pour bien montrer tout le ridicule qu'il y a dans tous les états-majors, qu'ils soient politiques, syndicaux ou autres. Oui, il faut s'organiser, mais l'organisation, elle peut être complètement horizontale, comme aujourd'hui dans nos lectures. Chacun intervient, voilà, et je pense que... C'est pas un groupe Bernard Lazare, c'est un anarch. Oui, le seul groupe admis en anarchie, c'est l'individu. Ben oui, mais je veux dire, c'est quand même le groupe expérimental Lazare, tu vois, ça a plus de gueule que... Bon, c'est les goûts, les couleurs. Eh bien, de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine, et ce seront les 5 ans, tous les jeudis, depuis le 1er octobre 2015, pour nos amis, Ali et ses amis, et surtout pour tous les prisonniers d'opinion. On se rassemble. Et aussi, très important, il y aura la nouvelle pancarte qui sera terminée, et le verso, eh bien, c'est abolition universelle et définitive de la peine de mort. Quand les pires fascistes actuels en France, dont notamment le député Olivier Dassault, reviennent à la charge pour essayer de nous imposer la peine de mort, parce qu'ils ont réussi avec le Congrès, c'est-à-dire avec les collabos sénateurs et députés de métier de merde, ils ont réussi en 2008 de nous imposer le traité de Lisbonne qui permet à chaque État membre de l'unique gouvernance de l'Union européenne de rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. La peine de mort, nous n'en voulons plus, il n'est pas question qu'elle soit rétablie. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Marc. Merci Julio. Merci Fabrice.